Dondon se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Fallout 4 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après être allés à la maison Cabot, mais entre temps, comme vous pouvez le voir sur la carte, beaucoup de choses se sont produites. Donc, je me suis dit, j'allais faire la quête à l'aise que j'avais en vidéo, mais finalement, non, parce que la quête que j'ai fait en fait n'était pas très intéressante, clairement. Et donc voilà, donc j'ai fait toute la map, sauf évidemment Diamond City où nous allons y aller. Et le petit problème qu'il y a eu en fait, c'est que on avait une quête, c'était le joyau de Commonwealth si je ne me trompe. Attendez, j'essaie de trouver. Je crois que c'était le joyau de Commonwealth. Hein. Oui, le joyau du Commonwealth qui nous demandait d'aller à Diamond City et d'aller à l'agence de détective Valentine. Mais sauf qu'en faisant tout ce qui était tous les endroits de la map sur Diamond City, je suis tombé sur un endroit qui s'appelle l'abri 114, normalement je suis sûr on aurait dû aller à Diamond City et ils nous l'auraient dit que Nick Valentine n'était pas là. Et donc il se trouvait dans l'abri 114 prisonnier et je l'ai libéré, ce qui a validé la quête et lancé la suivante quête qui s'appelle Première piste, aller à l'agence de détective Valentine. Bon après ça c'est une quête annexe à valider que j'irai valider en même temps, bien entendu. Donc j'espère franchement que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Oh, bouge d'ego defense. Bon, je ferai ça une autre fois. Diamond City this way. C'est un ennemi ça. C'est pas. Donc j'ai appris certaines choses en jouant comme ça en vidéo. Bah, franchement, ça m'a pris plus de... Je suis à combien d'heures de temps là? Attendez, je suis à 1 jour et 17 heures, alors que j'ai pratiquement pas commencé la quête principale. Je vois que vous avez tout compris. Une armure assistée, c'est ce qu'il y a de mieux pour voyager. Eh ouais, avec un jetpack. Donc nous voici à... Comment s'appelle déjà? J'ai oublié. Nous voici à Diamond City, voilà. Donc je n'y suis jamais allé, hein. Visite en même temps que vous. Cette porte, tout de suite. Piper. En fait, je voyage en compagnon parce que j'ai une capacité qui se nomme Nomade Solitaire qui permet de. Alors, en premier rang, ça me donne 15% de dégâts en moins en prix et augmente ma charge de 50. Le suivant, ça augmente ma charge de 100 et ça me permet de subir 30% de dégâts en moins. Et la dernière, c'est 25% de dégâts en moins de dégâts supplémentaires. Quand je voyage sans compagnon. Monsieur McDonough, m'entendez, un instant, mademoiselle. Ouvrez la porte. Wow. Je peux patienter toute la journée s'il le faut, Danny. Ouvrez. Allez-y, entrez. Vous êtes Sullivan, c'est bien ça? Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises? Ouvrez-moi cette foutue porte. Ce n'était pas des blagues. J'ai toute une carte. C'est vrai? Vous vous moquez pas de moi? Dans ce cas, je vous réserve tout de suite des pièces pour... Tenez. Enfin bref, bienvenue à Diamond City et toutes ces... D'accord. Vous avez une question? Vous feriez bien d'aller voir cette porte tout de suite! Occupez Piper. Monsieur McDonough? Un instant, mademoiselle. Ok. Je peux rien faire ici. C'est que vous m'entendez, Danny. Je vais rentrer après. Je vais juste faire le tour. Donc j'ai comme d'hab le bug des points d'endurance qui ne se rechargent pas. J'ai dû encore utiliser une petite astuce, on va dire. Je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin du let's play. Donc il n'y a pas grand chose. Moi cette foutue porte. Franchissez la porte et montez l'escalier. McDonough. Un instant, mademoiselle. Ok. Ouvrez cette porte tout de suite. Il y a un ascenseur ici, on va d'abord voir ce qu'il y a en bas. Ou en haut, je ne sais pas. Ah bah en haut. Petite musique d'ascenseur. Oula, on va très haut.
pense, parce que là j'ai ce qui me reste en quête annexe dans mes quêtes, c'est des quêtes qui sont répétables à l'infini. Faut juste que j'arrive dans la quête principale pour pouvoir les avancer. Enfin pour pouvoir en avoir d'autres quoi. Comment ça le scope du siècle? Oh! Le maire n'est pas d'humeur à parler de ses inepties sur les synthétiques. Parlez-moi de ce permis. Nous avons une maison de disponible. Elle se trouve en plein. Vous pouvez faire ce que bon vous semble pour ce qui est de la décoration intérieure. Bon, j'achète la maison. Je la prends. Voici la clé. Permettez-moi d'être la première. Ouais. Attention à ce que vous faites à proximité du maire. Pigé. Est-ce que je suis caché? Je suis caché. Ah, je suis dans un mur assisté, il faut que je sorte. Oui, je me suis mis une tenue comme ça. J'y suis. Si vous voulez, vous pourrez lire, bien entendu. Moi, je l'ai passé assez rapidement, donc pour les lire, mettez sur pause. J'espère que le son aussi est bien, parce que là, actuellement, c'est un nouveau micro avec lequel je teste. Hein. Que je me suis acheté récemment, je mettrai peut-être dans la vidéo le lien, mais si vous voulez savoir la référence, c'est un Sennheiser Game One. La maison de Kellogg's. Visiter tout ce qu'il y a, même si j'ai la plupart des choses, mais pourquoi je peux pas courir? Oh putain, ça c'est de l'armure. Merci bien. Non, je vais pas passer par là tout de suite. Qu'est-ce que j'ai comme quête à prendre? D'hiver, aller à votre maison. Donc je pense que ça va être à l'épisode surtout surtout visite de Diamond City, oui. On va essayer d'en faire un 30 minutes, comme ça on aura visité à peu près toute la ville, je pense. Maintenant faut que j'attende qu'on redescende tout. Petite musique d'ascenseur qui va bien aussi. D'ailleurs, vraiment, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis sur la qualité sonore, la qualité visuelle, ce qui pourrait me permettre de m'améliorer, etc. N'hésitez vraiment pas. Je vais pas vous manger. Oups, pardon. Ouais, je saute, youpi. Oui, donc au niveau de la quête, le morceau de la quête principale qui était passé sur la brise 114, là, on n'avait pas vraiment loupé grand chose. Hein. On l'a libéré, il est parti. Ah oui, merde, j'ai activé la lampe. Ah non, elle est pas activée, what? Ouais, 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 ouais. Ouais. Alors, j'ai c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Pipe. Allez-y, entrez. What, allez où? Ok, elle a disparu. Pourquoi pas? Donc oui, l'armure mecha, enfin, pas l'armure mecha, l'armure que vous voyez que je porte là, c'est la plus puissante armure du jeu avec les meilleures améliorations. Ah oui, aussi, vous avez sûrement dû remarquer mon niveau, mais... À force de faire des quêtes annexes, hein, ça monte, hein. Tu veux faire des quêtes annexes, tu veux des gens.
Niveau 51 quoi déjà. Je sais pas c'est quoi le niveau maxi, il y en avait un d'ailleurs, je ne sais pas. Mais 51 c'est largement assez pour finir le jeu. On peut dire ça mais il... les monstres sont upscale aussi, enfin les ennemis, pas les monstres. Regardez-moi ça, c'est beau non? Ça fait baisser mon compteur de FPS. Je peux patienter toute la journée s'il le faut, Danny. Ouvrez! Alors elle, elle est complètement buggée, hein. Elle doit être en haut dans le bureau. Cette porte tout de suite! Je peux patienter toute la journée s'il le faut. Ouvrez. Ouvrez-moi cette foutue porte. L'ascenseur est déjà là. Ah ouais, mais je voulais aller en haut pour l'ascenseur. Bon, on peut pas comme ça en tirer. Ah si. J'espère que votre nouvelle maison vous plaira. Oui, je l'espère aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai pris une balle dans le cul le dernier. C'est une longue histoire. Ah oui, d'accord. Et tu peux me dire pourquoi tu dis ça? Et moi je saute. Hein. Ouvrez cette porte tout de suite. Regardez-vous. Salut toi. Vous avez encore quelque chose d'humain sous cette armure? Non, je n'ai rien de mieux à faire. Pourquoi? On pourrait lire également. Waouh. C'est quoi ce papier qui peut me faire comme ça? C'est trop bien. Je voulais même. Bon, je vais peut-être accélérer un peu. Voilà. Ouvrez-moi cette foutue porte. Bon, d'accord. Sans Danny, ouvrez. Je vais visiter chaque endroit, peut-être. Enfin, une par un. Enfin, une par un. Voilà. Un par un, plutôt. Une par un, c'est toujours un plaisir de voir un nouveau visage à la chapelle. Oula, ça charge vite. Vous vous sentez bien, Diamond City? Ça va, merci. Je vais bien. De rien. J'espère que si vous cherchez un endroit calme où vous asseoir pour réfléchir à tout ce qui a trait au Tout-Puissant, quel que soit le nom ou l'aspect que vous lui donniez. Merci, pasteur. Merci, mon père. Vous êtes ici, chez vous. Vous devriez plutôt vous adresser au pasteur. Ah ouais, eux, ils sont... En même temps, hein, ils sont forts. Mon père. Tenez-vous à l'écart des problèmes. En vrai, ça me tonne pas que ça charge si vite avec un petit endroit comme ça. Lisez le journal, madame. Faites-moi confiance. Bon sang, Danny, ouvrez! Bon, elle est toujours aussi buggée, hein. Je sais pas comment ça se fait, hein. Alors si vous me dites que Peter... Public Occurrency est là pour vous ouvrir les yeux. Ça fait plaisir de vous voir. Vous tenez le coup, Blue? Blue? Pourquoi vous m'appelez? Parce que vous venez d'un abri. Vous ne portez peut-être plus votre combinaison bleue. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. L'histoire de votre vie. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth. Acceptez et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières. Ok. D'accord, Piper, ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. On a été cryogénisés, ma famille et moi. J'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez. Vous avez passé tout ce temps dans un frigo? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre? La guerre?
Quelle guerre ? Celle à laquelle on doit ce merveilleux paysage en dégradé de bâtiments en ruine et de nuages radioactifs. Vous voulez dire que vous avez vu le monde avant qu'il soit réduit en bouillie ? Oui. Ouais, j'ai plus de 200 ans. Bon sang. La femme venue du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City. Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant ? Franchement, voir les gens se battre pour survivre et reconstruire le monde, ça me donne de l'espoir. C'est une réponse particulièrement inspirée, Blue. Je vais vous citer mot pour mot. Et maintenant, la grande question. Mon bébé, Sean. Le parent qui cherche son enfant disparu. Une histoire toujours aussi émouvante, quelle que soit l'époque dans la... Dites-moi, pensez-vous que l'Institut soit impliqué dans cette... Bien. J'en ai bien l'impression. Même les bébés sont en danger avec lui. Et certains se demandent pourquoi je suis incapable de faire... Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa... Gardez espoir. Quelle que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas. Il faut garder espoir de les retrouver. C'est excellent comme fin, Blue. Merci. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense... Okay. Enfin bref, j'ai accepté de vous accompagner pour couvrir... Ok, Piper va rester là-bas. Salut, Nat. Personne ne peut faire taire la presse. Oh, c'est pas ce que je veux, hein, Nathan, t'inquiète pas pour ça. Je vais laisser Piper ici, j'en ai pas besoin. Ah, c'est chiant ça. Toujours aussi long à sortir de l'armure ou d'y rentrer. Désolé si je le fais vraiment passer un peu rapidement, mais il y a vraiment beaucoup trop de choses à lire. Cher public, avec un gars. Oh là là, bon, mais what the fuck, c'est, il le fait exprès ou c'est... Voilà, il le fait exprès, c'est obligé. J'ai vu qu'il avait bien écrit avant. Ça en fait du métal. Eh ouais. Allez. German City. Nous sommes sur les toits. Sur le toit, plus précisément. Si quelqu'un ici est une de ces choses, c'est sa secrétaire. Elle est toujours parfaitement coiffée. C'est pas humain. La secrétaire du maire. Allons. Je lui coupe les cheveux moi-même. On n'aime pas les rôdeurs par ici. S'il y a un sujet que je connais, c'est bien celui-là. C'est bien ça le problème, Johnny. Avec ces saletés, impossible de voir la différence. Le salon est fermé. Allez, importuner quelqu'un d'autre. Salut. Bonjour. Je suis habituée à ce que... C'est vrai que j'aurais bien... Je le savais. Tenez. Vous êtes qui, d'abord ? Anne Codman. De la famille Codman. Alors, vous vous en allez où ? Vous voudriez me prier ? Faites comme bon vous semble. De tout. Eh ben, pas très... What ? Où sont-ils ? Putain. Minerve va se téléporter comme ça. Waouh ! Vous êtes pas une demi-portion. Eh ben non. Salut ! Mes copains disent que les étrangers sentent mauvais. Mais vous, pas du tout. Bah merci, hein. La maison de Polly. Je suis détecté. On va sauvegarder. Caché. Mais non, moi, ce, mes aiguilles, ça se me casse pas. Plus. Salut. J'ai pas demandé à ce qu'on tienne compagnie. Partez.
Main en l'air. Ok. Attendez une seconde, je reviens. Me revoici. Alors. Ouais, je vais recharger, il n'y a rien d'intéressant ici, je crois, de toute façon. Non, non, avant, avant, avant. Voilà. Oh, un petit écorcheur, qu'il est mignon. J'arrive pas à croire que tu bouffes cette merde. C'est un Pip-Boy ? Le seul truc qui est pas trop dégueu à l'auberge de l'abri, c'est l'alcool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Faut bien manger. Les vrais mecs de Diamond City, ils mangent au stand de nouilles. De Gotti. L'auberge de l'abri. Dug out ? C'est ça du rabri ? Non, je pense pas. Il faut qu'on parle. Jim, petite minute, Yefim. Je suis au milieu d'une histoire. Alors, je traverse, ok? Armé de mon sourire. Et voilà que jaillit plus dangereux de tous les monstres marins. Un fangeux. Un fangeux. Attends, tu rigoles. Ça vaut limite 2 sur 10 sur l'échelle de danger. Si tu veux. Cruel de similarité. Mortel. Jim. Ah, je t'avais oublié, Yefim. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Laisse tomber. Je vais me débrouiller tout seul. C'est quoi ces accents? Salut. Là vous pouvez commander. Mademoiselle? Je prends votre commande quand vous voulez. Scaretta. C'est qui le propriétaire de ce bar? Les frères Bobrov se sont... Vadim Bobrov, c'est le plus bruyant, Yefim. D'accord. Tout est préparé. Non merci, je n'ai pas besoin de tout ça. Vous voyez ce bar? J'ai tué un homme pour l'avoir. Non, non. Alors? Tout juste. Mouf, on l'appelle Kive Bobrov. Il a fallu... D'accord. Tout ce qu'il y a ici. Rien d'intéressant non plus. Vous venez d'arriver, si hein. Vous écoutez là, si vous voulez une leçon d'histoire, si allez voir à bord. Oh, vous ne lisez pas le journal. C'est foutu synthétique ce. Alors, également à bord. Cache parmi nous. Bien, du monde. Il vous faut une chance. Vous pouvez m'en dire. Il n'y a pas grand chose à en dire. Mon frère Vadim tient le bar. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vous souhaite une bonne. Merci à toi, enfin à vous aussi. Ah ouais, c'est... Rien par ici. Peut-être qu'on fera une vidéo plus longue pour compenser ce qui s'est passé, enfin, les choses que j'ai passées. On puisse faire le tour complet de Diamond City lors de cette vidéo. Pour la prochaine, on puisse s'atteler. Rocket Zanex. Enfin, pardon, Rocket Zanex, mon caractère principal. Donc là, on doit être à peu près 25 minutes de vidéo. On va essayer de refaire encore 20. Si vous comptez sortir de l'enceinte du mur, je vous recommande de commencer par vous équiper à Commonwealth Weaponry. Les maisons que je ne peux pas rentrer, je ne vais pas les ouvrir un peu tout de suite, du moins. J'irai là-bas plus tard. Est-ce que ça va directement passer au prochain noyau? Ce serait bien. Ouais, ce serait très intelligent. La maison de Myrna, je peux rentrer, mais non merci. Des fois, on ne peut que se demander s'il y a des gens qui résistent. L'Institut doit bien avoir des ennemis, pas vrai? Quoi?
Voilà, c'est ça. Je veux parler du réseau du Rhin. Oula, oula, où suis-je? Je me perds. Ok, c'est par là. Je suis trop lent pour rejoindre les miliciens. Je suis ton frère. Pose cette arme. Oula, oula, oula. Bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley? Où est mon frère? Je te jure que je suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Posez cette arme tout de suite. C'est un synthétique. Il va tous nous tuer. Kyle, non. Non, ici. Les super mutants aiment bien tendre des embuscades sur le pont. Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez? Vous êtes tous parano. Vous ne risquez plus rien. Je suis pas un synthétique. J'ai... Ah là là, les parano. La brochette d'Iguane, qu'est-ce qu'il fait avec ça dans la poche? Salut. J'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Bonjour l'ambiance. Excusez-moi. Maintenant. Le synthétique est mort, pas vrai? C'est bien ce qui s'est passé. Doc. Oh, quel merdier. Eh. Revenez plus tard. D'accord. Quel bordel. Allez, je m'inscris. Pourquoi vous restez planté là? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Excusez-moi. J'ai fini ma journée de travail. Tirez. Salut. Vous devriez passer à mon magasin demain matin. Commonwealth Weaponry. Ok. Alors là, qu'est-ce que c'est? Le sous-sol de Fallons. Non, merci. Pas encore. L'école. On va déjà faire vraiment tout dans l'ordre, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Bien de sécurité. Oups, excusez-moi. Pour le bruit sur le micro, normalement. Hé, hey, je crois que les frères Bobrov vous cherchent. Ah bon? Ah bah d'accord. Sympa votre arme. Du moment que vous ne la dégainez pas. Oh, pas de problème, je ne dégainerai pas mon arme. Pas tout de suite, du moins. Salut, vous. Essayer de me draguer ou quoi? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des choses très intéressantes. Un protectron, ouais, mais non merci, on va pas l'activer. Garer la voiture dans la cour? Vous voulez que je vous fasse tâter de mon hypercute aussi? Vous pouvez pas savoir. Eh ben... Pas très gentil. Ouais, hein. C'est vrai, j'ai pris une balle dans le cul. Vous avez, tout pris une balle dans le cul, vous. Hein. Si je me permets, vous avez pas de cul. Alors, par où on sort déjà? Par là, là-bas. Comment ils ont fait pour tout? Comment ils ont fait pour tous se prendre une balle dans le cul? Ah là là. Alors. Je pense que les quêtes que là tu mangeais, les trucs d'hiver, je les ferai hors vidéo, hein, franchement. Je ne vois pas l'intérêt de les faire hors vidéo. Enfin, en vidéo, pardon. Je les ferai hors vidéo. Bon, allons dans la maison de Kellogg. Comme on a la clé. Je sais pas où ça va nous mener. Je sais pas à quoi ça sert. Et on y est. Ah bah d'accord. Ça m'a beaucoup aidé, merci. Non, c'est pas ma maison ça, non. Moi, ma maison est dans le centre, normalement.
Pourquoi ils courent? Pourquoi ils s'enfuient tous? Votre attention à tous. Écoutez-moi bien. Je tiens à vous parler du sujet qui préoccupe tout le monde. Autrement dit, l'article répugnant écrit par Piper. Diamond City est uni depuis plus de 150 ans. Et ce qui nous unit, ce sont deux choses. Tout d'abord, il y a notre grand gardien vert que vous voyez derrière moi, le mur. Notre sauveur qui nous protège de la lie du monde extérieur. Et ensuite, il y a cette foi et cette confiance que nous avons les uns envers les autres. C'est ce qui nous permet de garantir la prospérité, la sécurité et l'éducation de chacun d'entre nous. Et même si le journal s'évertue à montrer du doigt les synthétiques et autres histoires de fantômes afin de nous diviser, nous ne trahirons pas cette confiance sacrée. Et maintenant, je tiens à ce que vous entendiez tout ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas un synthétique. Je suis le garçon de chair et de sang qui a grandi dans ces rues. Le fils de Martha et Patrick McDonough, né dans une cabane sur les quais. Et je n'abandonnerai pas ma ville à cause des allégations haineuses d'une journaliste. Dieu bénisse cette ville. Dieu bénisse le mur. Il raconte que des conneries. Bonjour. Toujours occupé ? Je suis bien trop occupé pour prendre le temps de discuter. Je suis le maire, après tout. Monsieur McDonough ? Désolé, je dois y aller. Ok, alors parlons à lui, hein. About. Ne touchez pas à la peinture. Ne vous inquiétez pas. Bien. Le mur ne... Je crois qu'un peu de travaux d'intérêt général... Qu'est-ce qu'il faudrait que je... Vous voyez cette peinture que j'utilise? Hardware Town. Un magasin... Il vous faut juste... C'est bien aimable. D'accord, bon, je la ferai en vidéo, bien sûr, celle-ci. Alors, est-ce que j'ai pratiquement visité chaque côté? Ça c'est quoi? Ah, la maison d'Abbott, ah, d'accord. Cheng, qu'est-ce que je te répète sans cesse au sujet de la propreté du lac? M'oblige pas à fermer ton stand. Chaque goutte d'eau qui sort de... Salut. C'est un risque pour j'ai la santé, Cheng. J'ai pas le temps de discuter. Une autre fois. Dites plutôt que c'est un risque pour les profits, ouais. C'est moi qui m'occupe de l'eau. Et je suis tout à fait capable de le faire sans que vous vous en mêliez. Merci bien. Salut. J'aimerais bien vous parler, mais j'ai pas le temps. Ok. Donc ça laisse pas pour tout de suite non plus. Vous n'avez pas l'air en grande forme. Vous feriez bien d'aller voir le docteur Crocker à méga chirurgie. Ah, la radio de Diamond City. On va enfin voir la personne qui nous parle à travers la radio. Oh Salut, c'est bien. Salut. Travis. Salut. Je veux dire bonjour. Re-bonjour même. Salut. Cette station de radio, c'est... Ah oh là là. Lui, il est pas confiant, André. Pas très très confiant. Je ne sais pas. Ouais, on va faire encore le tour. Science Center. Science. I know science. Professeur, j'ai une nouvelle théorie quant à la façon dont l'Institut fabrique les synthétiques. Alors, on avait banni ce sujet de discussion, tu te souviens? Après les cris de la dernière fois et le fait que j'ai dû dormir sur le sol glacé du labo pendant 3 nuits d'affilée. C'était ton choix. Et sérieusement? Faire pousser les synthétiques dans la Terre à l'aide de noyaux atomiques de plantes recombinées? Comment veux-tu qu'ils puissent? Ah, tu vois bien que t'as envie d'en parler. Oh, regarde, on a de la visite. Si tu pouvais t'occuper d'eux pendant que j'abandonne cette conversation. Salut, vous êtes là pour le cours de biologie du jour? Oui. Tout à fait.
Excellent. J'aime. On parle des radiations comme si c'était un phénomène tout simple. Mais ça, il y a les rayons X, les rayons bêta, les rayons gamma. Mais lesquels nous inquiètent le plus? Les zeta. Les rayons gamma? Bonne réponse. Oh non, les rayons gamma. Donc, les rayons gamma, c'est mauvais. Très mauvais, même. Si votre corps absorbe trop de radiations... Mais certaines formes de vie arrivent à vivre au milieu des radiations gamma depuis 2 siècles. Et elles se sont adaptées. Ouais. C'est tout l'intérêt de la science. Rien ne reste. Il est désormais temps de passer à la partie excursion. Ça marche. Vous allez donc partir en excursion pour me trouver une glande de mouche bouffie. Voyez-vous, la mouche, son adaptation à la radioactivité. Alors, qu'en dites-vous ? Trouver une glande de mouche bouffie. N'oubliez pas, il me faut la glande intacte. Oh ! Bien. Est-ce que je l'ai... Docteur Duff ? Disséquer une mouche bouffie, c'est sympa. Évitez juste de vous faire piquer jusqu'à... D'accord. Je ferai ça hors vidéo, bien entendu. Est-ce que mort s'en suive et vous deviendrez scientifique subalterne en un rien ? J'aurais peut-être dû parler à l'autre personne, c'est pas grave. Je ferai ça en validant la quête, hein. Ma photo. Hey, calme. Calm down, man. Ouais. Déjà été. Méga chirurgie, d'accord. On s'est fermé. Vous avez besoin de faire des emplettes. Ah, vous voilà. Je me demandais si vous alliez vous montrer. Ça, c'est une personne. Oui, c'est ça. Moi. Je dois me cacher le visage. Uh-huh. Les gens comme moi ont pas... Uh-huh. Allez, au travail. Le grand mur de verre qui sur uh-huh. peu de gens sont au courant. Mais il y a une chambre forte. Ce type l'aura pas volé, faut dire. Vu comment il... Uh-huh. Au boulot. Je vous propose d'un... J'ai réussi à retrouver mon technicien. Ce mec est capable de... Le problème, il faut que vous le sortiez de là. Moi. Si vous pensez qu'on... Croyez-moi, on y a... Bien. Projetez la serrure, trouvez la clé, tirez-le de là. C'est tout ce que... Ok, donc ça également hors vidéo. Toutes les autres boutiques sont peut-être fermées, mais... Le... Voyons ce que vous avez... Oh, excellent. Ok, rien d'intéressant. Il faudrait que je visite à ça... Marbre, ce serait ma maison peut-être. Ah, j'en ai bien l'impression. Maison de Solomon ici. Ok. Vous ne savez pas ce que vous cherchez? Pas grave, nous avons tout. D'accord. Je vais aller faire le tour de la maison. Donc c'est la maison marbre. Ah, ok. Pas en très très bon état. Hein. Ah, on peut aménager tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut aménager dedans? Ah, du mobilier, décoration, électricité. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme lit? Ouais, chaise. Décoration. Bon, y a pas grand chose que je peux créer. Je ne m'occuperai pas de ça pour le moment, quoi.
Attends, on est tout en haut. Ok. Salut Takahashi. Allez, je m'inscris. Si vous voulez gagner du temps, contentez-vous de répondre oui. C'est tout ce qu'il comprend. La maison de Poli. Choy Chops. Un petit conseil. Ne traitez jamais votre mère de synthétique, sauf si c'en est vraiment une. Je crois que j'ai loupé encore un seul quelques endroits à trouver. Le surplus de Diamond City, la seule boutique à être ouverte 24 heures sur 24. L'agence de détective Valentine's. D'accord, c'est ça que j'avais loupé. Juste faire un tour, aller dans la serre, et dans la prochaine vidéo, nous irons à l'agence de détective Nix Valentine. Donc entre ces vidéos et la prochaine, je ferai les quêtes annexes que je devais faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout à abonner à la chaîne. C'était tout, c'était le prochain type HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.